Alors bonjour les cyclominettes et bienvenue aujourd'hui pour cette interview avec Johanna Awakening. Alors Johanna Awakening, je vais la présenter un petit peu. C'est une nana que je suis depuis près d'un an et j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, j'adore ta vision du monde, j'adore ta franchise. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette interview avec toi parce que je suis dans une démarche en fait de développement de la féminité et du cycle féminin. Et généralement, je suis plus sous un aspect scientifique, expertise et tout ça. Et il manquait un peu cette essence spirituelle, tu vois. Et j'avais besoin d'une personne de confiance un peu pour aborder cette partie-là. Et en voyant toutes tes conférences, ça m'a paru évident de faire ça avec toi. Donc voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu fais et surtout comment, par quelle voie en fait, tu arrives à répondre à mes questions parce que tu n'es pas une spécialiste de la féminité à la base. Ouais, alors ce que je fais, je sais pas, ça va être difficile de me mettre dans une case, mais si je devais me mettre que dans une, je suis thérapeute. Voilà. Et je me sers de clairaudience et clairvoyance, c'est-à-dire que, alors attends, comment décrire ça en quelques mots? J'entends des gens et je vois des gens que les autres ne voient pas. Donc cette vidéo s'adresse aux nanas branchées spiritualité. Les autres, ça va les chercher. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Et non, mais attends, on peut en parler autrement. N'importe quelle nana a de l'intuition. Disons que mon intuition, elle est un peu plus. C'est pas développée parce que. Enfin, si, j'ai une intuition développée, mais au-delà de l'intuition, ça va juste un petit peu plus loin. C'est pas que de l'intuition. Je ressens vraiment ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi. Et c'est pas juste, ah, je sens que je dois pas faire ça. C'est juste que c'est plus précis que chez la majorité des nanas. Point. C'est tout. Alors, on va expliquer ça comme ça pour pas que ça fasse peur C'est très clair. à n'importe Mais qui regarde. ouais, c'est ça. Mais de toute manière, c'est vrai que moi, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent via Instagram. Et justement, moi, j'ai mis en avant cette partie-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça va parler parce que, en fait, automatiquement, quand on commence à s'intéresser à la féminité, maintenant, tout de suite, ça connecte avec le féminin sacré, avec la lune et tout ça. Donc, je pense que c'est finalement quelque chose qui vient assez naturellement, en fait, dans ce sujet-là aujourd'hui, tu vois. Oui, quand tu commences à te renseigner sur ces sujets, effectivement, tu Ouais. peux vite arriver à trouver d'autres C'est sujets, et ça, tu fais le finalement. pont très vite. En fait, pour moi, c'est vraiment un sujet qui devient presque indissociable parce que toutes les femmes qui viennent vers moi et qui veulent arrêter leur contraception, eh ben, découvrent une partie d'elles-mêmes un peu différente, plus intuitive justement, tu vois. Et tout de suite, après, on tombe sur les fameux archétypes, la lune et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre les choses à plat avec toi parce que là, on entend vraiment de tout. Il y a plein de choses qui naissent et c'est génial, hein, les cercles de femmes, les tentes rouges, tout ça. Mais du coup, ça laisse encore plus de questions, quoi. Enfin, moi, quand je t'ai écrit les questions, en fait, je me suis dit, il faut que je m'arrête parce que comment dire, c'est infini, en fait. Toutes les questions, une question amène à une autre question. Et en fait, comme on n'a pas vraiment de réponse, ça aurait pu, enfin, bon, j'aurais pu faire, je pense, 4 pages de questions. Après, attention, tu vois, les réponses que je vais apporter, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est Exactement. la vérité. Oui. Voilà, c'est pas la vérité, c'est juste ma vérité en fonction de ce que j'ai expérimenté et de ma vision des choses, hein. C'est Ouais. pas une Oui, vérité c'est bien absolue. de mettre les choses à plat aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais écrit. Moi, ta vérité m'intéresse. Mais après, voilà, chacune aussi, en regardant cette vidéo, faut qu'elle écoute ses ressentis. Est-ce que ça vibre pour elle? Est-ce que ça lui Carrément. parle? Est-ce qu'elle sent en C'est cohérence? Ou ça. est-ce que là, pour le coup, non, c'est pas trop vraiment son point de vue? C'est ça. Et voilà, quoi. On est chacune différente et on fonctionne chacune différemment. Alors les questions, voilà, il y a plusieurs petites parties. Il y a une partie qui va être plus sur la contraception parce que à la base c'est quand même plus mon sujet. Après, on va parler du cycle féminin et puis progressivement, on va aller plus vers vraiment tout ce qui est rituel sur le féminin et les pratiques des femmes parce qu'aujourd'hui il y a plein plein de pratiques qui naissent. Je sais pas si tu en as entendu parler, bah du coup je vais pouvoir expliquer un peu au fur et à mesure des questions, mais le flux libre instinctif, l'œuf de Yoni, tout ça, et ça J'ai devient fait de une plus en plus vidéo ce populaire. matin sur l'œuf de Yoni. Ah, Ça génial, tombe putain, bien. quelle Ouais. synchronicité! Et, Donc, on fera le pont, comme c'est par hasard. super. Ouais, Ouais. et du coup, ça se développe et c'est de plus en plus connu, quoi. Enfin, il y a encore quelques années, personne n'entendait parler de ça. Les Carrément. quelques femmes qui pratiquaient ça, c'était vraiment un concept, quoi. Tu vois, t'imagines se mettre un œuf. Enfin, bon, aujourd'hui, c'est normal, tout le monde a son œuf dans sa poche. Alors, pour commencer, donc je vais lire mes petites questions au fur et à mesure. Déjà, je voulais parler du stérilet. Du stérilet en cuivre, le fait de porter un stérilet dans l'utérus, est-ce que ça avait un impact sur les chakras, sur le corps énergétique ou sur le taux vibratoire? Alors,
Ça va plus être sur le côté physique que ça pose un problème. Le principe du stérilet, en fait, c'est que de par sa forme, il va irriter en permanence les parois de Oui, l'utérus, tout à fait. et que du coup, l'utérus, parce qu'il sera agressé, ne sera pas propice à recevoir un œuf. Je trouve ça hyper barbare de se mettre un truc qui va en permanence t'irriter de l'intérieur. Je trouve ça assez dégueulasse dit comme ça. Et du coup, ben, ça va pas agir proprement sur tes chakras ou sur tous ces trucs-là. Et sachant que bah déjà, il y a pas mal de nanas qui sont pas au courant de comment ça marche. Elles se font poser un stérilet, mais elles savent Exactement, pas ouais. que c'est l'irritation de l'utérus C'est qui fait ça. que. Ça va pas baisser ta vibration ni ton énergie, mais ça va irriter ton corps physique en permanence. Et parce que le corps aura toujours besoin de se réparer Ouais, de de l'intérieur, lutter, ouais. et ben ouais, du coup, ça va pas la baisser. Tu vois, tu me dis, je me tape des murs tous les week-ends. Là, je vais dire, Oui, là, ça baisse d'accord. l'énergie. Ça va pas la baisser de la même manière, mais ça va être une petite baisse en permanence que le corps va devoir compléter. D'accord, Voilà. très bien. Ouais, en plus, C'est pas top. ouais, c'est, je comprends. Mais c'est, je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que beaucoup de femmes font des rejets ou de manière un peu automatique expulsent leur stérilet. Je crois que le corps sait très bien que c'est un corps étranger, quoi. Donc, C'est ça. ouais. Ouais. Bah après, je t'avoue que j'y ai pensé aussi, hein, en tant que Bah oui. nana, tu vois, on Non, sait on cherche. qu'il n'y a pas 36 000 manières. Soit tu te mets des œstrogènes tous les jours dans le corps, soit tu te mets un truc qui t'irrite de l'intérieur, soit tu mets des capotes, soit Ouais. tu fais la courbe de température. En Ouais. fait, on n'a pas non plus On n'a 10 000 pas 10 000 choix. solutions. Mais en fait, C'est le sujet ça. de la contraception pour une femme, c'est compliqué parce qu'elle est toujours obligée, quelque part, de faire une concession sur C'est un ça, point. complètement. Il n'y a rien qui est Ouais. naturel, quoi. Donc, enfin, il n'y a rien qui est naturel, il n'y a rien qui est évident, simple. Voilà. Il y a toujours un moment à devoir faire le. Comment dire, donner quelque chose d'elle-même. Donc, soit son temps, soit, voilà, un stérilet. Bah, elle a un corps étranger en elle. Enfin. C'est Ça. vraiment un choix, c'est pour ça que toutes les femmes se posent cette question-là. Et ben même, je pense qu'on a plusieurs phases de vie et on peut alterner différentes contraceptions en fonction de ce qu'on a besoin à un moment précis, tu vois. Mais ce Ouais, n'est pas c'est un ça. sujet simple, quoi. Et c'est même une question qui revient sur le tapis à plusieurs moments de notre vie, hein. On n'a pas résolu le sujet de la contraception une bonne fois pour toutes, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. Et du coup, la même question bah, pour tout ce qui est hormonal. Donc, les hormones, ça coupe l'ovulation. Hein, je refais un petit point là-dessus. Ça coupe l'ovulation. Donc, on n'a plus de cycle naturel. On a un cycle artificiel. En fait, c'est pas un cycle. Hein, c'est juste que le fait d'arrêter la prise hormonale quand on prend la pilule, ça va provoquer des règles hémorragiques, des saignements hémorragiques. Et donc, ça, est-ce que ça a un impact d'un point de vue énergétique sur le corps, sur le taux vibratoire? La même question, en fait. Le fait que ce soit un cycle artificiel, non. Le fait que tu mettes des œstrogènes dans ton corps, oui. D'accord. Le fait que ce soit artificiel, le corps, il s'en fout un peu, tu vois. Le but, c'est de vider le nid qu'il a fait pour l'œuf qui n'est pas arrivé. Ça se vide de manière artificielle ou pas artificielle, il s'en fout un peu, il faut que ça sorte, point. D'accord. Après, ce qui est un problème, c'est que au niveau des œstrogènes, ça c'est des hormones et les hormones bah, modifient énormément de choses dans le corps. Ça modifie nos émotions. Ouais. Donc déjà, ce côté-là, moi, ça m'avait un petit peu titillé, tu vois, de me dire que j'étais émotionnellement manipulée. Ouais, Ça me posait un c'est problème. vrai. Et j'ai arrêté la pilule peu après la naissance de ma fille. Enfin, déjà, je ne l'avais pas pris pendant toute la grossesse. Et je l'ai arrêtée après. Et en fait, déjà, j'ai vu que j'avais re de la libido. Truc que j'avais plus, tu vois. Ouais. J'avais re des émotions. Tu sais, avant, c'était un peu genre. Ouais, c'était plus. C'était monotone au niveau des émotions. Enfin, pas monotone, mais tu sais, à peu près toujours la Ouais, même chose. ouais. Et là, je redécouvrais mes émotions et mes cycles émotionnels en Ouais, fonction bah, de bien sûr. l'ovulation, de plein de choses que je Ouais. vivais. J'ai redécouvert quand est-ce que j'ovulais. Truc que, Truc de ben, ouf. tu n'as ben, ouais, tu le sens plus, t'as pas Mais t'as d'ovulation. pas Donc, en fait, d'ovulation. Ouais. voilà. Du coup, oui, tu ressens ton corps. J'ai eu mal au ventre, des douleurs de règles qui arrivaient alors qu'avant, bah, t'en avais que pendant les règles Ouais. et encore. Quand même. Donc j'avais redé. En fait, je redécouvrais mon corps, Ouais, tout tu simplement. ressentais Tu ton vois? corps, quoi. Ouais. Tu ressens ton corps. Ouais. Donc, Et ton corps vit. ouais. Et juste pour savoir un peu, toi, d'un point de vue contraception, du coup, t'as pris la pilule quand? T'as commencé quand? Enfin, ça s'est passé comment pour toi? Ouais. Ah, mon Dieu, j'ai commencé à prendre.
à 15 ans parce que j'avais des Ah, douleurs de règles ah et la que à vache, t'as commencé l'époque, on hyper te tôt. disait que ça calmait tes douleurs Ah de ouais, ça règles y et que calme, évidemment, vu que t'as plus Voilà, j'ai commencé à 15 ans et j'ai arrêté pour la naissance de ma fille, donc à 30 ans. Ah ouais, donc ouais, t'as eu vraiment ton paquet, quoi. J'ai eu Là, t'es 15 ans, tranquille jusqu'à la fin de ta vie, ouais, c'est là. Ouais. ça. Et tu vois, à contrario, les gynécos te disent que quand tu veux tomber enceinte, ton corps est tellement sous pilule depuis 15 ans qu'il faut arrêter super longtemps à l'avance parce que ton corps a besoin de temps pour retrouver son cycle et On blablabla. est toutes différentes là-dessus, hein. Ouais. Pas vrai. Ouais. Et ça, faut faire gaffe parce que si tu te bases sur ça en te disant, ouais, je vais arrêter au moins 5-6 mois à l'avance, le temps que, moi, elle est arrivée 15 jours après. Voilà, c'est Donc, ça. T'étais ouais. prête, quoi. Donc, c'était le bon moment pour toi. Elle était prête à arriver, en tout cas, moi, psychologiquement, pas trop, mais elle était prête. Donc, oui, ça veut rien dire, tu vois, ton corps, s'il est prêt de toute manière à accueillir un enfant émotionnellement, consciemment ou pas, Ouais. et que l'enfant est déjà prêt à arriver au niveau de l'âme, etc., Ouais. que tu prennes la pilule depuis Oui. 15, 20 ans ou pas, ça change rien, C'est voilà. ça, ouais, tout à fait. Oui, et puis c'est ça, et ça, faut vraiment faire attention, quoi. C'est pas parce qu'on a pris la pilule 10 ans qu'on ne peut pas ovuler tout de suite après. Moi, j'ai ovulé dès le C'est ça. cycle qui a suivi l'arrêt de ma pilule. Il y a des femmes qui vont prendre beaucoup plus de temps à retrouver un cycle normal, mais en fait, c'est juste que la pilule cache d'autres problèmes. Donc, on Ouais. va retrouver en fait notre corps, et s'il y avait déjà un problème en amont qui était masqué par la pilule, c'est pas l'arrêt de la pilule, c'est juste qu'on retrouve C'est notre. ça. Enfin voilà quoi, les maux de notre corps au naturel quoi. Un peu comme toi, tu avais tes Exactement. douleurs de règles, bah C'est t'avais ça. peut-être d'autres solutions pour essayer de vraiment soigner ça, mais on a mis un C'est sûr. pansement dessus quoi, on a Ouais, masqué le puis tu sais, à truc. l'époque, tu vois, enfin, c'est nouveau, hein, ces trucs de se pencher sur la question de on n'a pas forcément envie de Oui, mettre on est tes une hormones dans notre génération, corps et ouais. tout. C'est ça, tu vois, quand on avait, nous, 15 ans et qu'on était à l'adolescence, déjà nos parents se posaient pas la question, Non. c'était ouais, bon, ben voilà, tu vois, je Ouais. veux pas que tu tombes enceinte, tu prends la pilule, point. Ouais, c'est ça. Maintenant, il existe un stérilet. Donc, je sais, j'ai bien compris qu'avoir un corps étranger dans le corps, c'est pas top. Mais pour celles qui n'auraient pas le choix, il existe un stérilet totalement cuivre et un stérilet argent et cuivre. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il y en a un qui serait peut-être mieux supporté par le corps? Ou est-ce que c'est du pareil au même? C'est pareil au même. Ok, d'accord. Il y en a un Ouais. qui semblera avoir moins d'effets secondaires. Mais bon, résultat, on a quand même bah, des métaux dans le corps, quoi. T'as des métaux, et puis je te dis, ce qui pose problème, c'est le fait que ça irrite en permanence ton utérus. Donc Ouais, en fait, et c'est mon phénomène. qu'il soit irrité par du cuivre ou par de l'argent, tu sais, l'utérus, il se dit pas. Bon, les Ah, gars, c'est de l'argent quand l'argent, même, c'est tu vois. cool. Ah, et c'est ça. Ton utérus, il en a rien à faire. Pour lui, ça change rien. Donc oui, c'est pas une bonne chose d'avoir un corps étranger. Maintenant, encore une fois, on n'a pas tout le choix. Donc on fait Oui. au moins pire. Est-ce que connaître les différentes phases du cycle, sa période ovulatoire, son fonctionnement propre? Ça permet aussi de développer la spiritualité et tout ça. Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment indépendant de la spiritualité pour toi? Non, je pense que ça joue un peu, tu vois, dans le sens où... Pour moi, le but de la spiritualité, c'est de se connaître soi. Alors, C'est vrai. se connaître soi au niveau physique, ça fait partie de se connaître soi. Et je trouve ça assez important de... Ben ouais, de... Après, ça peut être le mental, tu vois, il y a l'ego spirituel Ouais, qui va qui rentrer dans « oui, je connais trop bien mon corps ouais. ». Et puis, il y a juste « j'aime bien savoir qui je suis », aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau réactionnel, etc. Et du coup, ben, se connaître physiquement, ça est une... Petite étape pour mieux se connaître globalement. Donc si, Ouais. je pense que c'est quand même une bonne chose. Ouais. Ouais. Après, ça va pas. Tu vois, c'est pas parce que tu apprends à te connaître physiquement que ça y est, t'es Bouddha demain, quoi. Oui, c'est Mais sûr. c'est un défi. C'est une Voilà, bonne chose. c'est une première marche ou une marche de plus dans notre développement personnel, quoi. Voilà. Très bien. C'est ça. Concernant la pilule, est-ce que ce qui est le plus mauvais en fait pour la femme, c'est vraiment le fait de plus avoir de cycle? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le cycle conditionne nos humeurs, ça va avoir un impact sur plein de choses en fait sur la femme. Donc, est-ce que c'est le fait de plus avoir de cycle du tout, ou est-ce que c'est le fait de prendre des hormones en soi qui est mauvais en fait? Ouais, c'est le fait de rajouter des hormones. Ouais, d'accord, Ne ok. pas avoir de cycle, le corps, il s'adapte. C'est une machine, elle s'adapte à ce que tu lui fais. Peu importe ce que tu lui fais, elle va s'adapter. Plus ou moins bien. Ça dépend des fois. Mais
En général, elle s'adapte. Le truc, c'est que si tu mets des hormones en permanence et que, bon, t'as pas de règles, t'as pas de règles, ok. Du coup, ton corps, il va pas fabriquer le nid pour l'œuf. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de l'évacuer après. Mais ce qui est embêtant, c'est que la manière dont tu fais ça, en fait, c'est de mettre permanence des œstrogènes dans ton corps. Mais c'est chaud, déjà parce que c'est pharmaceutique et que, bon, on va pas rentrer dans une histoire de lobby pharmaceutique, mais. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est des matières inertes. On en parle dans mon second livre. En fait, les guides, ils expliquent que prendre des médicaments, c'est des matières inertes, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'énergie, et que pour ton corps, pour les accepter, il va utiliser de l'énergie. Donc prendre des matières inertes, d'autant plus tous les jours, ça va faire Quotidien. que ça va baisser ton énergie. Donc en fait, ton corps va devoir toujours s'adapter pour accepter ces matières inertes en lui. Et que pour les accepter, il va utiliser de son énergie. Donc, en fait, bah, par exemple, tu as un gros mal de crâne, tu n'as pas le choix, tu prends un médicament parce que voilà, tu n'as pas d'autres moyens pour que ça passe et que c'est une migraine. Bon, bah, tu baisses ta vibration une fois, ok. Là, tu la baisses tous les jours pendant 15 ans, 20 ans. En continu. Voilà. On Non-stop. continue. Donc, Ok, ouais, c'est le c'est fait de plus. prendre des œstrogènes. Ok, très bien. Et en fait, il existe aussi des injections, tu sais, de grosses quantités d'hormones pour 3 mois. Ouais, on te fait une grosse piqûre dans la fesse Putain, et t'ovules plus pendant les prochains mois, quoi. Et en fait, c'est la dose d'hormones en une fois pour les 3 prochains mois. tu sais, je pense que ça dépend des gens, mais quelqu'un qui évacue relativement vite, attends, je parle proche du micro parce qu'avec la pluie, tu vas rien entendre. Quelqu'un qui évacue vite les vaccins, etc., comme par exemple c'est mon cas, c'est que j'évacue super vite tout ce qui est corps étranger. Bah, c'est plutôt dangereux de faire ça parce que du coup, tu vois, mon corps va évacuer vite la dose des 3 mois. Une Au bout grosse du réaction. troisième mois, ça y est, je suis enceinte, quoi, tu Bah oui, vois. c'est ça, Donc, ça serait con. Tu te tapes une grosse dose C'est que d'hormones ça a rien, quoi. pour que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Donc, bon, sur des personnes qui n'ont pas forcément une évacuation forte ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut marcher. Après, encore une fois, tu vois, c'est comme les gens qui me disent. Oui, il ne faut pas se brosser les dents avec du dentifrice normal parce que le fluor, ça calcifie la glande pinéale. Bah, franchement, si ton troisième œil il doit se développer et que tu dois avoir clairvoyance, tu auras clairvoyance quoi qu'il se passe. Donc en fait, encore une fois, c'est juste pour être chercher la perfection dans ce qu'on peut faire et de la manière dont on peut traiter notre corps. Mais tu vois, quelqu'un qui se drogue tous les jours et qui va me dire, oui, mais je prends la pilule, est-ce que c'est compliqué? Bah, arrête de te droguer tous les jours, ça sera déjà, tu feras déjà du bien à ton corps, tu vois, Ouais, c'est c'est ça. un ensemble de choses. Ouais, ça Voilà. vient dans le cadre d'une hygiène de vie générale, en fait. Maintenant, on va parler un peu plus cycle féminin. On va rentrer dans le détail, un peu plus des questions spirituelles. Est-ce que, alors, tu sais, maintenant, je sais pas si tu connais, là, j'ai le bouquin sous les yeux, Miranda Gray. Ça te dit quelque chose ou pas? C'est La Pas Lune du tout. Rouge. Alors, c'est un bouquin qui a beaucoup de succès. Elle a étudié justement les différents états d'âme, les différents archétypes, en fait, qui émergeaient en fonction des phases de ton cycle. L'hormone qui va dominer dans ton corps, ça va pas avoir la même énergie en toi. Ça va avoir vraiment, ça va avoir des dominantes. Et elle, du coup, elle a étudié qu'on avait différents archétypes. Donc, je t'en ai un peu parlé. Moi, je suis un peu mitigée sur ça parce que, du coup, il existe de plus en plus de groupes de femmes où on apprend ces archétypes-là. Moi-même, je m'y suis plongée un petit peu. Mais je me demandais si pour toi, c'était quelque chose qui était vraiment un chemin d'évolution pour la femme de connaître ses archétypes, ou est-ce que ça aurait plutôt tendance à nous mettre dans des cases. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur les archétypes qu'on devrait avoir en fonction des différentes phases de notre cycle, quoi. Alors déjà, je suis pas calée sur ça. C'est pas mon domaine, tu vois, de connaître ces archétypes, etc. Par contre, je vais parler des cases. Je déteste les cases. je le répète assez souvent. Pour moi, dès que le mental peut s'identifier à quelque chose, je le dégage de ma vie. Parce que s'il trouve le moyen de se dire, oh, mais oui, je suis trop ça. Tu sais, lui, il adore, il aime les petites cases qui vont le faire se rassurer et se dire. Oh, mais ouais, je fais partie de ce groupe-là. Tu sais, c'est le besoin d'appartenance, tu vois. Et du coup, c'est sécuritaire, en fait, d'avoir ce besoin d'appartenance. C'est tu te sens groupe d'une famille, tu vois, enfin, partie d'une famille et d'un groupe. Et du coup, c'est le besoin d'être en clan. Et donc, en fait, tout ça on vient aux peurs de la mort. Enfin, tu vois, si tu veux aller pousser plus loin pour comprendre d'où ça vient, c'est la peur d'être tout seul et donc la peur de ne pas survivre. Donc, c'est.
toutes les cases, toutes les volontés d'appartenance, c'est des volontés du mental de pouvoir s'identifier pour moins avoir peur de la mort. Je te l'ai fait en mode super rapide et global. Non mais oui, je suis. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc en fait, je suis pas du tout pour les cases et je pense que, tu vois, pour reprendre ton exemple d'horoscope, moi la première quand je le lis, c'est bien, je me dis ouais, c'est bien, ça me va pour aujourd'hui. Si c'est à chier, je me dis putain, c'est vraiment à chier l'horoscope, quoi. Tu vois. C'est ça. Et je me dis pas genre ah ouais, c'est vrai que je suis de bonne humeur ou ah non, je suis de mauvaise humeur. Je me dis ah si c'est bien, je prends, ça me convient. Ouais. Et si c'est pas bien et que c'est quelque chose de négatif, bah je prends pas et je le laisse pour aujourd'hui, quoi. Donc je pense que c'est ça que chaque femme devrait faire, tu vois. Ça te convient, ça t'apporte du bon et du positif dans ta vie, bah prends-le. Ça te convient pas, jette-le. Ouais. Voilà. D'accord, OK. Je pense que tout est bon mais à petite dose. Et que tu vois, pour moi, quelqu'un qui se cantonne à un seul chemin, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Tous les chemins sont bons et on a besoin de tous les chemins. C'est comme, tu sais, ces gens qui disent « Oui, je suis un enfant indigo. Oh, ah, ça me fout des frissons, ces trucs. » Parce que je me dis mais « t'es tellement plus que ça. » T'es moi, je suis un zèbre. Non, oui. Pardon, je suis désolée, mais je sais que dans les vidéos, des fois, je suis sarcastique parce que. Ouais, mais en fait, c'est. Parce que c'est. Je trouve ça dommage. Ouais. On est tellement plus grand que ces toutes petites cases du mental. Ouais. Et que, du coup, je trouve ça limitant de se mettre dans un truc, tu vois. Voilà. Donc, je pense que. C'est... Je vais pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. C'est bon si tu t'identifies pas que à ça. Si tu sais prendre du recul par rapport à ça. C'est vrai que moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que tu mets les pieds dans le plat. Donc, oui, je suis plutôt d'accord avec mais ça. Mais ça va parler à certaines personnes et je pense que c'est bien. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont besoin de ça à un moment T et c'est très bien, elles vont évoluer grâce à ça et je pense que c'est une vérité. Mais en fait, tu vois, tu connais l'histoire de l'éléphant pour la vérité ? Tu connais pas ? Non. C'est plein d'aveugles qui touchent un éléphant et puis il y en a un qui dit « Ah, un éléphant, tu sais, il touche sa trompe, il dit « c'est long, c'est mou, ça se courbe, puis c'est mouillé au bout ». Et puis celui qui touche la patte arrière, il lui dit « Bah non, un éléphant, c'est un gros bloc énorme ». Puis celui qui lui touche le ventre et le flanc, il dit « Bah non, c'est plat, c'est rugueux ». Et en fait, bah, chacun a part de vérité. Ouais. Un éléphant, c'est tout ça. Et tu peux pas dire « La femme, c'est ça ». Bah non, la femme, en fait, c'est tellement plus que ça. Mais tu détiens vérité, en tout cas part de vérité, quand tu parles de ces cycles. Parce que émotionnellement, bien sûr que les cycles ont une influence. Mais tu peux être très bien dans un mood super bien au niveau de ton cycle. Et à côté de ça, ton mec t'a fait chier toute la journée, tu vas être de mauvaise humeur. C'est et ça aura rien à voir avec ton cycle. Ouais. Donc en fait, tu peux pas cataloguer un truc en le mettant dans une seule case en disant « ça, c'est la vérité ». Voilà. Très bien. Alors attends. Oui. Penses-tu qu'une femme, alors pour moi c'est une question vraiment, j'attends la réponse avec impatience, penses-tu qu'une femme qui n'a plus de cycle menstruel, donc par exemple, donc soit elle prend la pilule, elle n'a plus de cycle, soit elle a coupé son cycle d'autre manière, soit elle est en ménopause, tu vois, elle a malgré tout un cycle à l'intérieur d'elle qui va influencer ses humeurs, son état d'esprit. Voilà. Déjà, ce que tu penses, parce que voilà, moi j'ai fait des séminaires, des choses comme ça, où on disait que la femme avait malgré tout un cycle. Donc, est-ce que toi tu penses qu'une femme qui a plus de cycle hormonal a quand même un cycle à l'intérieur d'elle ? Bah ouais, bien sûr. Mais femme et homme, hein. Ouais. On est yin et le yang. On a chacun notre mélodie intérieure, tu vois. Ouais, je trouve que c'est un peu comparable à une musique, tu vois. On a une vibration qui fait que, bah, vibratoirement, oui, on a chacun une mélodie, chacun un cycle, qu'on soit femme ou homme, et que, mais bien sûr, tu peux pas te cataloguer que à ton cycle menstruel, quoi. Enfin, c'est, encore une fois, on est bien plus que ça. Ouais. Donc, le cycle menstruel et le cycle hormonal, c'est que un cycle terrestre. Si on part du principe qu'on est ce cycle-là en tant que nana, ça veut dire que tu pars du principe qu'on n'est que ce qu'on est de manière terrestre. C'est pas ma vérité. Voilà. Ok. Et donc, si elles ont un cycle, enfin, si nous avons tout un cycle au-delà du cycle menstruel, est-ce que tu penses que c'est lié du coup, parce que tu vois, il y a beaucoup ces histoires de cycle lunaire aussi, on associe beaucoup la femme à la lune. Est-ce que du coup, ça aurait un rapport avec la lune ? J'ai un peu la réponse à l'intérieur de moi, mais je finis quand même ma question. Est-ce que ça serait lié au cycle lunaire ou est-ce qu'elles ont un cycle propre à elles, encore complètement indépendant de celui de la lune, quoi ? C'est quoi le cycle lunaire ? Parce que je ne suis pas ultra calée sur ça, c'est sur le fait que... Bah, la lune en soi, elle-même, a,
les deux 29 jours et demi, le cycle lunaire. Et du coup, Ouais. dans ces cercles de femmes, souvent les femmes qui n'ont plus de cycle hormonal à elles, on leur dit, bah voilà, quand la lune est ascendante, tu es dans cette phase. Quand la lune est, tu vois, tu es dans cette phase. Donc en fait, c'est comme si le cycle humoral de la femme, le cycle de, eh ben, était lié au cycle lunaire, la lune, quoi, tu vois. Voilà. Je n'étais pas convaincue en posant la question non plus, mais je voulais la poser pour les autres femmes qui se seraient. Alors, la lune, tu vois, j'ai fait une vidéo dessus. Ouais. C'est hyper méga important dans le sens où la lune a un impact phénoménal sur l'eau. Et étant donné que l'on est formé de 70% d'eau, en tant qu'homme et que femme, oui, la lune a un impact extrêmement important sur notre corps. Mais les mecs n'ont pas de cycle menstruel et ça a un sacré impact sur eux. Donc après, oui, tu vois, les guides disent que ça a plus d'impact sur la femme parce qu'on est plus yin et que la lune est yin. Et yin, d'accord. Voilà. Mais que ça n'a aucun rapport avec le reste. Ouais, tout ça, ça superpose. Il y a la lune, il y a nous, il y a notre cycle, mais tout ça, en fait, c'est des courbes. C'est un ensemble, comme tu dis, voilà, ça se superpose. Ouais, d'accord. Et ça ne veut pas dire que les uns sont dépendants des autres, quoi. Ouais, voilà. D'accord, très bien, ok. Alors, en cas du désordre du cycle féminin, tu sais qu'en fait, moi, depuis que je me suis passionnée pour ça, je me rends compte du nombre de femmes qui ont des problèmes, mais c'est incroyable. Enfin, moi, c'est un univers que je... Auparavant, je ne connaissais pas. Et je ne sais pas le pourcentage. En plus, c'est des questions qui sont un peu taboues, très intimes. Donc, si on n'en parle pas aux femmes, on ne le sait pas. Mais le nombre de femmes qui ont des vrais problèmes au niveau de leur cycle ou des problèmes gynécologiques lambda, c'est vraiment énorme, quoi. Et du coup, tout ce qui est désordre du cycle féminin, c'est-à-dire des cycles très longs ou des cycles courts ou des cycles sans ovulation, est-ce que c'est lié à un déséquilibre d'un chakra en particulier? Parce que je crois que c'est le deuxième chakra, en fait, c'est l'utérus, c'est ça. Donc, est-ce que ce serait lié à ce chakra-là ou pas du tout? Et est-ce qu'il y aurait un moyen de rééquilibrer les choses avec des techniques plus énergétiques ou spirituelles? Si on pouvait, en fait, rajouter quelque chose de plus énergétique à peut-être une prise en charge thérapeutique médicale, tu vois? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Donc, déjà, première question, c'est est-ce que ce serait lié à un chakra, un déséquilibre du cycle? Pas que, encore une fois, on ne peut pas faire de généralité. Tu vois, c'est impossible de dire, t'imagines, on est combien de femmes sur Terre et de dire, ah, bah, toi, tu as un cycle de 29 jours, ça veut dire que ton chakra fonctionne bien. Ouais. Toi, tu as un cycle de 23, c'est que ton chakra ne fonctionne pas. T'es, tu imagines, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Donc non, tu ne peux pas du tout faire de généralité. Ça peut être le cas. Ça peut jouer si effectivement tu as le chakra sacré qui est hyper encrassé, etc. Ça peut jouer, plus ça va être sur des douleurs menstruelles, etc. Tu vois, où ça va sur la libido, sur ces trucs-là, ça va jouer. Après, plus souvent, ça va être du côté karmique. Par exemple, les nanas qui n'ont pas d'ovulation, je te prends un exemple en particulier, une nana qui n'aurait pas d'ovulation, ça pourrait venir du fait que, admettons, dans une vie antérieure, elle a eu de sacrés problèmes avec ses enfants et que dans cette vie-là, bah, du coup, elle se met des barrières pour ne pas avoir d'enfants parce que ça s'est mal passé dans une vie antérieure. Voilà. D'accord. Mais c'est un exemple, hein, tu vois, attention aux personnes qui regardent cette vidéo, n'allez pas vous dire « je n'ai pas d'enfant, c'est que ça y est, ça s'est mal passé dans les vies d'avant ». Ça ne veut rien dire, il y a 10 milliards de choses possibles, mais on ne peut pas tout mettre dans une case, c'est impossible. D'accord. Impossible. Et est-ce que du coup, tu penses que de manière générale, on pourrait donner… aux femmes, par exemple, quelque chose, un conseil plus de l'ordre énergétique spirituel pour les aider à s'aligner, à se réaligner et à réguler leur cycle au-delà, comment dire, en plus d'autres choses, quoi. En plus, par exemple, d'un travail sur la psychogénéalogie, par exemple, ou une prise en charge médicale, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose qu'elles pourraient faire en plus? Ouais. Qui leur ferait du bien. S'aimer soi. Mais ça ferait du bien à tout le monde, hein, tu sais. Non, je pense qu'il n'y aurait plus la guerre dans le monde, tout ça, tu vois, on pourrait aller vachement loin avec ça.
c'est le travail de toute une vie, des fois plusieurs vies. On peut pas être en accord avec notre physique si on n'est pas en accord avec l'amour qu'on a envers soi-même. Donc le cycle, c'est un petit détail parmi des milliards d'autres choses qu'on ressent à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et une nana qui a un cycle court, ben ça va être plus qu'elle est peut-être plus yang, tu vois. Enfin, en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que tu peux pas donner un seul conseil. Mais l'amour de soi, si, c'est le truc global. Mais pour s'aimer soi, déjà, il faut accepter ce qu'on est et il faut accepter de savoir dire non. Il faut accepter de se connaître, alors que des fois, on n'a pas vraiment envie de se Ouais, connaître aussi. aller dans les parties obscures. C'est ça, tu vois, c'est tellement, en fait, se connaître soi, comme ce qu'on disait au début de la vidéo, ça passe par tellement de petits points que on n'a pas assez toute une vie en général. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que ça, quand tu m'as dit ça, ça m'a semblé évident en fait, parce que c'est une partie qui est tellement intérieure, enfin, tu vois. C'est les profondeurs de notre corps, tu vois. L'utérus, on dit c'est notre chaudron, tu vois. Donc, s'aimer soi, ça, Ouais, ça va ouais, tu vois. Et ça me paraît maintenant, ouais, c'est simple, c'est évident. Les gens vont dire, ouais, ça me fait une belle jambe. Mais bon, bien. Ouais, et puis c'est surtout la question de comment on fait. Tu vois, le problème de ouais. beaucoup de personnes, c'est ça. C'est que je veux bien m'aimer moi. Mais Pardon, je suis comment? assise sur le lit, c'est un peu compliqué. Mais comment on fait pour s'aimer? Parce que, tu sais, le nombre de personnes qui te disent oui, il suffit de s'aimer, il suffit de ci, de ça. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire pour faire ça. Et pour s'aimer, bah, je crois que le premier pas, c'est de s'accepter tel qu'on est. Mais Et de ça se que dire, mais rien à foutre du regard des autres, rien à foutre, parce que, en général, si on ne s'aime pas, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. La plupart du temps. Donc, déjà, travailler sur ça, sur le fait de se regarder dans la glace, de se répéter sur 21 jours minimum, bah putain, je suis ultra canon, je suis super belle, super féminine, je me kiffe, je suis trop bien avec moi. Au début, tu vas pas le penser parce que ben, on t'a habitué, la société t'a habitué à ne pas dire ce genre de choses, ça va pas ou quoi, t'es mégalo de te surkiffer devant la glace. Et au fur et à mesure, ben ça, tu vas commencer à le penser. Au début, tu auras l'impression d'être mytho, de pas penser ce que tu dis, que c'est pas normal ce que tu es en train de faire. Et puis plus ça va passer, plus le temps va aller, plus tu vas kiffer ces moments avec toi, à te dire mais je me surkiffe, je suis trop bien avec moi. Ben ouais, mais c'est trop bien. Le fait que de plus en plus de femmes sur Terre reconnaissent leur cycle, leur féminité, se connaissent de mieux en mieux, est-ce que ça a un impact? Donc, je pense oui sur leur vie personnelle, leur couple et tout ça, mais est-ce que d'un point de vue plus large, ça a un impact même sur la Terre, par exemple, que de plus en plus de femmes comme ça se développent de ce point de vue-là? Bah, on s'affirme, hein. C'est bien. On est la moitié de la Terre quand même. C'est pas négligeable en effet. C'est pas négligeable, hein. Et on est Ça même bouge largement des plus que la moitié. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur Terre. On va pas rentrer là-dedans parce que tu vois, les seuls mecs qui vont regarder la vidéo, ils vont dire ouh, sexiste et tout. Mais ouais, je je suis. Non, mais attends, je suis sexiste dans le sens où oui, la femme a sa place et je me bats pour la place de la femme, tu vois. Oui, je suis sexiste dans ce sens-là. Après, je pense qu'il y a égalité d'hommes et femmes, tu vois. Voilà, évidemment. je parle bien d'égalité. Et effectivement, on est beaucoup plus sur Terre et c'est pas un hasard. En général, on se pose plus de questions. Pas toujours dans le bon sens. Mais on se pose plus de questions, ce qui nous amène à plus de réflexions personnelles et à plus de réflexions sur ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait être. Et c'est pas pour rien qu'on est bien plus sur Terre que les hommes. On réfléchit pas de la même manière, on n'apporte pas la même énergie, on n'apporte pas la même vibration. Et du coup, ben, quand nous, on évolue en tant que femme, on fait évoluer la totalité du groupe femmes sur Terre. Donc, bien sûr que c'est hyper important et que ça change. Et puis une femme qui évolue personnellement, enfin je veux dire, c'est vrai que ça diffuse énormément. Je veux dire que moi, mon évolution, c'est un impact énorme sur toutes les femmes de mon entourage. Parce qu'on entend de plus en plus parler de féminin sacré et tout. Déjà, est-ce que toi, tu aurais ta définition du féminin sacré ou est-ce que ça te parle? Non. Ça Non. m'aide à être claire. Non, encore une fois, c'est une case. Tu me dis, est-ce que tu aimes cette case? Non. Non, c'est une case de plus, tu vois. C'est quoi, féministe? Tu sais, le mental, il aime trop se sentir différent et avoir cette petite étiquette de je suis mieux que toi.
Je suis Et du sacrée. coup, mais oui, je suis différent, je suis mieux, je suis plus évolué, je suis plus si j'ai quelque chose de plus que toi. Tu sais, le mental, il adore être comme ça. Et du coup, ben, du moment où tu mets une case, le mental, il se dit, hé les gars, j'en ai une de Je plus que toi. prends. C'est vrai Je prends. que ça Donc, nourrit non, l'ego féminin vachement en sacré. plus. Et ouais, à fond, à fond. Pour moi, féminin sacré, encore une fois, c'est une manière parmi tant d'autres de se trouver soi en tant que femme. Si ça peut aider des gens, tant mieux, c'est super cool. Mais il faut arrêter de s'identifier que à un truc, en se disant, ouais, moi je travaille mon féminin sacré, ça veut dire que j'ai plus de trucs que les femmes qui ne le travaillent pas. Bah, t'en sais rien, hein. Celle qui ne le travaille pas, peut-être qu'elle travaille son féminin d'une autre manière et qu'elle n'a même pas conscience qu'elle est en train de travailler son féminin, et peut-être qu'elle va tout péter plus rapidement, tu vois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin pour travailler, en fait. Du moment où c'est quelque chose qui fait du bien à la personne, bah, Ouais, tant c'est mieux. ça. Puis c'est un mot un Voilà. peu concept féminin sacré. On ne sait pas trop ce que ça veut dire quand je travaille mon féminin sacré. On est tous un peu divins, donc c'est quoi le C'est ça. féminin sacré, quoi, tu vois? C'est ça. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment, tu vois, de définition D'accord. précise. Ouais, bon, alors je crois qu'on a déjà répondu, mais je vais. C'est la question qui est posée sous une autre forme. La lune a-t-elle vraiment un impact du coup sur la femme? Et t'as dit du coup sur l'homme et sur la femme, et un peu plus sur la femme parce qu'elle est plus yin. Parce qu'on fait beaucoup l'analogie entre les phases du cycle menstruel et les phases de la lune, tu vois. Donc en fait, est-ce que pour toi, cette analogie, elle est juste due au fait que c'est à peu près la même durée, donc c'est pratique? Ou est-ce qu'il y a vraiment un lien, tu vois? Qu'est-ce qui est intéressant entre la lune et la femme, en fait? Pas toi. On dit que la femme, elle a ses lunes. Enfin, tu vois, c'est un mot qui revient beaucoup dans la féminité. Pour toi, c'est quoi? C'est Alors, gadget? non, attends, ok, il y a le même, approximativement le même cycle, mais dans ce cas-là, tu pars du principe qu'une nana qui a un cycle de 23 jours, elle est exclue de la lune. T'sais, enfin, tu vois, c'est pour ça, je trouve ça, encore une fois, c'est horrible de faire ces petites cases parce que ça veut dire que quelqu'un qui rentre pas dedans, il va se dire, mais moi, je suis pas dedans. Et donc, oui, alors, oui, ça a une action sur l'eau. Ce qui fait que bah, ça a une action sur nous. Oui, au niveau de notre cycle menstruel, c'est aussi liquide. Donc ça a aussi une action sur ça, puisque la Lune a des effets sur tout ce qui est liquide. Et ça a un effet sur nos émotions. Mais nos émotions, parce que ça a de l'effet sur l'eau dans le corps, donc ça a des effets, ça se répercute sur les émotions. Mais pour moi, il n'y a pas, à part ce côté de yin, il n'y a pas plus d'impact de la Lune sur... la femme que l'homme, à part le fait qu'on soit yin. Voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup le lien entre la femme et la lune quand elle a ses règles, elle a ses lunes. Enfin, tu vois, c'est un mot qui revient beaucoup dans la féminité. Il y a des femmes qui travaillent leur féminin sacré en fonction de la lune, tu vois. Donc, c'est vraiment l'amalgame est très vite fait dans le travail du féminin, tu vois. Ben, si ça leur fait du bien, je trouve ça bien. Tu vois, je suis pas là pour dire que c'est la merde. Je dis juste que ça me parle pas, que pour moi c'est pas vérité. Enfin, tu vois, on dit aussi les Anglais débarquent. Tu vas me dire, est-ce que on a un rapport particulier avec les Anglais? Non. Tu vois, enfin, ou les coquelicots, j'en sais rien. Tu sais, il y a mille noms d'aiguilles pour. Enfin, après, encore une fois, voilà, si ça fait du bien à certaines nanas de partir sur le fait de se sentir proche d'un astre pour se sentir plus divine, etc., eh ben tant mieux, c'est bien pour elles. Mais pas vraiment de rapport à la base. C'est ça, je répète ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. S'il y a des nanas qui se retrouvent dans le fait de s'associer à la Lune et de trouver que leur cycle est en rapport avec la Lune et que elles ont envie de croire ça et qu'elles se sentent bien avec ça, bah c'est bien comme ça. Voilà, chacun son chemin. Chacun, c'est Bah, ça. ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire que j'ai raison, ni qu'elles ont tort, ni qu'elles ont raison. Ça veut juste dire que chacun a sa vérité en fonction de ce qu'il est, de ce qui vibre et du chemin dans lequel il est, Si c'est tu tout. t'y retrouves, c'est ok, mais une femme qui s'y retrouve C'est pas et ça. qui est censée, enfin, tu vois, qui a entendu que partout elle était liée à la lune, mais qu'elle, elle se le ressent pas, faut qu'elle se dise que c'est carrément ok, quoi. Il n'y a pas de C'est problème ça. là-dedans, quoi.
Ok. Souvent, on dit qu'il faut faire des chèques d'abondance quand c'est telle phase de la lune et tout ça. Du coup, je pense qu'on a un peu répondu à la question, mais. Attends, attends, si, ça marche quand même. En fait, ça marche du moment où tu poses l'intention, déjà. Et ensuite, parce que la phase de la Lune, quand elle est montante, qu'elle est à son summum et qu'elle est descendante, les énergies sont pas les mêmes. Quand ça monte, l'énergie vibre plus. Je vais te faire ça de façon grossière pour que ce soit compréhensible. Elle va vibrer plus vite et plus haut, alors que quand elle est descendante, elle va vibrer plus lentement et plus. C'est comme si la courbe, elle était plus comme ça, alors qu'en montante, elle était plus comme ça, tu vois, plus haute et plus serrée, alors qu'en descendante, elle va être moins serrée et plus basse. Les vibrations ne sont pas les mêmes par rapport au placement de la Lune autour de la Terre, etc., et des autres planètes. Je ne suis pas hyper calée là-dedans, ce n'est pas mon travail d'être calée planète, etc. Mais juste, je sais ça. Et donc, le chèque d'abondance, du moment où tu fais un chèque d'abondance avec la Lune, c'est pas la Lune qui va faire que. C'est parce qu'on est dans une vibration X que ça va être possible, vu que tu vas poser ton intention ce jour-là et que tu vas te dire, ah, oh, oh, la Lune va faire en sorte que. Mais en fait, tu as C'est un posé ton moment qui est intention. favorable, on va dire, mais. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Ouais, parce que ma question c'était, est-ce que nous, dans notre cycle, on aurait un moment qui serait plus approprié aussi pour justement poser ses intentions ou est-ce que pas nécessairement quoi? Ben, il y a pas, tu sais, c'est comme faire un Genre quand gosse, t'as créer sa vu, tu vois, est-ce société. que quand t'as vu Ben non, le. il y a jamais de bonjour pour faire ce que tu as décidé de faire dans ta vie. Le bonjour, c'est aujourd'hui, tu vois. Ça sert à rien d'attendre tout le mois ton ovulation pour enfin poser ton intention. Ça va pas. Mais non. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes ressentent le besoin d'arrêter totalement les hormones. C'est vraiment un fort élan. Enfin, moi, je le ressens très très fort de retirer un stérilet et tout ça. Alors qu'avant, enfin, je veux dire, on avait des. Comme toi, t'as pris la pub pendant 15 ans. Peut-être que ça t'avait même pas traversé l'esprit pendant 10 ans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui. Même des femmes qui sont pas du tout dans le milieu, tu vois, qui n'ont même pas entendu autour d'elles, c'est vraiment un élan. Est-ce que pour toi, c'est un phénomène de mode parce qu'on est plus dans le bio et tout ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large, tu vois? La liberté. Voilà. Sais, on est là pour être libre en tant qu'être humain. Nos deux raisons d'être sur Terre, c'est l'évolution et c'est mes soins. Et c'est mes soins, ça passe par l'affranchissement des règles qu'on nous oblige de suivre. À suivre, de suivre, je sais pas. Ouais, suivre. Hein. Et du coup, ben, du moment où on s'affranchit et qu'on devient de plus en plus libre, on se connaît de plus en plus soi, et c'est un cercle vertueux. Tu connais de plus en plus toi, tu deviens de plus en plus libre, tu deviens de plus en plus libre, tu connais de plus en plus toi. Et par conséquent, ben, on est dans une. Comment on dit ça? C'est pas une pensée collective, c'est plus, tu vois, une énergie collective qui fait que même si on ne se parle pas entre nous, je ne parle pas que en tant que nana, je parle aussi en tant qu'humain, on se fait évoluer les uns les autres parce que quand ma vibration augmente, la tienne augmente parce que c'est C'est logique, on ça. est tous codépendants, tu Ouais, vois. c'est ça. On est en coévolution et du coup, bah, vu qu'on évolue tous, forcément, même des gens qui sont pas branchés spi vont évoluer C'est ça. parce que la vibration globale change, Change, donc la leur change. Donc la dernière partie, on y est. Donc là, on va être plus sur les pratiques de femmes. Tu vas pouvoir un peu parler de ta vidéo. L'œuf de Yoni. Donc je sais que tu as commencé un petit peu à découvrir l'œuf de Yoni. Je voulais savoir, toi, comment tu ressentais ça, parce que pareil, ça se développe énormément. Il y a de plus en plus de bouquins, de magasins qui vendent des œufs de Yoni. Et déjà, est-ce que tu as commencé à pratiquer? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'a fait du bien? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Attends, je vais pas trop en dire, sinon personne va Non, aller juste voir un ma petit vidéo, bout, tu vois. 1 minute, comme ça, après, on fera le point sur ta vidéo. Alors oui, je l'ai essayé, oui, j'ai pratiqué. C'est l'œuf de Lilou Massé qui m'a été envoyé. Ils m'ont proposé de le tester. Et franchement, je t'avoue que j'avais jamais entendu parler de ça avant. Que quand elle me l'a proposé, je suis allée voir vite fait. Je me suis dit, ouais, se mettre un œuf et tout, tu sais, je sais pas. Je me mets une cup tous les mois, tu vois. Mais après, se mettre un œuf, je sais pas. Bon, je m'étais dit, vas-y, je vais quand même tester. J'ai trouvé ça super intéressant pour travailler toute seule. C'est-à-dire, tu vois, bon, après, ayant eu un enfant, je travaillais mon périnée, etc., avec une sage-femme. Donc, déjà, j'avais appris à me connaître de l'intérieur. Donc, c'était
assez intéressant. Ouais. L'œuf a été utile pour ça, pour se connaître mieux de l'intérieur. Après, certaines disent qu'elles le portent toute la journée et tout. J'ai essayé, je ne me suis pas du tout sentie à l'aise avec ça. Ouais, c'est ça. J'étais pas bien avec. C'est juste mon expérience, tu Ouais, vois. c'est Il y a ça. d'autres nanas qui le portent toute la journée et qui sentent super bien, bah, tant mieux. Ouais. J'ai trouvé que c'était un truc intéressant. Après, je pense qu'il y a milliards d'autres manières de se connaître de l'intérieur que d'acheter un œuf. D'accord. Voilà. Ok. Affaire à suivre dans ta prochaine vidéo. Ouais, c'est ça. Concernant les pratiques, alors en fait, tu sais, dans le taoïsme, il me semble, il y a plein de pratiques qui permettent en fait d'avoir de l'impact sur notre cycle, de couper l'ovulation avec des massages au niveau des seins, de provoquer les règles avec des danses ou du yoga et tout. Donc j'ai essayé, hein, ça marche vraiment et tout. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est quand même une méthode qui est naturelle, dans le sens où on ne prend pas de quelque chose d'extérieur, mais on vient quand même influencer notre cycle. Ça dépend pourquoi tu l'influences. Ouais. Par exemple, si tu veux bloquer ton ovulation parce que tu es en mode Pourquoi contraception. tu veux faire ça, ouais. Ouais. Ah, c'est pour genre pour faire pour la contraception parce que Ouais. tu as un copain et que tu n'as pas envie de. Ben, je trouve ça mieux que de prendre la pilule. Hein. Ouais. 100 Oui. fois. Ouais. Ouais. Tu vois. Après, tu as intérêt à être bien sûr que ça marche hein, parce Oui, non, mais que ça, c'est si. encore, bien sûr, c'est encore un sujet, mais tu vois, par exemple, je sais que les femmes qui maîtrisent très bien. Alors, c'est pour ça que moi, là, j'en parle à la fin de la vidéo. Les femmes qui vont regarder cette vidéo, je fais attention, c'est un peu une question personnelle. Je sais que ces techniques existent, mais faut vraiment, c'est un apprentissage, quoi, vraiment, qui est long, qui demande d'un suivi, parce qu'il faut vérifier si on n'ovule pas et tout. Et puis, du coup, au début, on se protège, on fait quand même hyper attention. Mais il y a des femmes qui pratiquent ça pendant des années, elles bloquent leur ovulation. Avec des massages et tout ça. Et du coup, on en revient au résultat de t'as plus de cycle naturel au niveau hormonal, tu vois. Mais bon, on a parlé tout à l'heure qu'on avait quand même un cycle intrinsèque qui était indépendant de ce cycle hormonal. Donc finalement, ça ne nous fait pas de mal. Le corps, il s'adapte en fait. Mais c'est ça, ton corps il s'adapte à tout. Si tu l'obliges à s'adapter à cause des hormones, ben tu vois, c'est quand même plus négociable Ouais. que l'obliger à s'adapter juste parce que tu t'es fait des massages, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, Oui. Ok, donc petite question finale, un peu perso. S'il existait, bien sûr, après, il y a la question de la fiabilité et de la confiance en la méthode. C'est une autre chose. Mais imagine, il existe une méthode hyper respectueuse de ton corps, donc la méthode symptothermique que moi j'enseigne plutôt avec les femmes, où tu prends tes températures, ta glaire cervicale et tout, et tu sais exactement où t'en es, et tu t'adaptes en phase fertile, tu vas plutôt te protéger ou t'abstenir en fonction des femmes, et en phase infertile, t'es tranquille. Ou une méthode carrément complètement naturelle, tu prends rien et tu peux bloquer tes ovulations complètement. Toi, tu choisirais quoi? la première, Ouais. je le bloquerai pas. Ouais. J'aime pas bloquer mon corps. Ouais. Donc, Ouais. non. Mais encore une fois, Tu c'est sais, une intérieur, quoi. machine, si tu la bloques, tu bloques un tracteur. Au bout d'un moment, le rouage, il continue, il va forcer parce qu'il veut faire ce pour quoi il est fait. Et si tu le bloques, il va s'adapter. Mais combien de temps il va s'adapter? Parce qu'à la Ouais. base, il n'est pas fait pour ça. Il est fait Ouais. pour rouler. Donc, si tu l'empêches de rouler, il va s'arrêter de rouler, mais Ouais. tu sais pas combien de temps. Soit il va finir par péter le bout de bois que tu avais mis pour l'empêcher de rouler, Ouais. soit tu as mis quelque chose de plus gros et c'est lui qui va casser. Ouais. Bah, notre machine à nous, c'est la même chose. Plus tu Ouais. l'empêches d'être, tu sais pas combien de temps elle va tenir. Elle va s'adapter, bien sûr qu'elle va s'adapter, mais combien de temps? Comment? Pourquoi? Tu vois? Donc non, je préfère le laisser tranquille, vivre sa life, tu vois, Ouais. de petit corps bien tranquille. Top, Donc non, merci. je le bloque pas. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup Johanna pour cette interview parce que tu as répondu Rien. super bien aux questions. Enfin, moi, ça m'a apporté beaucoup de réponses là où je n'y attendais pas, tu vois. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui regarderont cette vidéo? Alors, soit sur Facebook, Ouais. la page c'est Awakening in Conscious Life. Soit sur le site internet, c'est joanna-awakening.com. Soit il y a le groupe privé sur Facebook. Non, mais je ne vais pas tous les passer parce que tu vois, on est Je encore dans 10 mettrai les minutes. liens, je mettrai les liens, ça Ouais, c'est voilà, évident. mets-les en bas, c'est bon. Et... Ouais, Ouais. mais moi je conseille vraiment en fait aux femmes qui s'intéressent à la spiritualité d'aller voir ta chaîne YouTube parce qu'elle est riche quoi, tu la nourris énormément. Ouais, il y a 200 vidéos, donc Ouais, je me demandais effectivement, il y a de justement quoi combien de trouver. vidéos t'avais, mais et puis surtout tu t'abordes énormément de sujets.
C'est hyper varié, donc il y en a pour tout le monde, quoi. Et en fait, bah, au début, tu y vas pour un truc, et puis enfin, moi, je m'arrête plus quand je fais des vidéos parce que tous les sujets m'intéressent. C'est vraiment passionnant, quoi. Tu as vraiment un regard sur les choses qui est simple, efficace. Moi, je te trouve très pragmatique. C'est dommage que la Ouais. spiritualité, ça passe pour quelque chose d'élitiste, alors qu'en fait, on peut tous être dans la spiritualité, on peut tous Ouais. être réveillés et éveillés, Ouais. et on peut tous être des Bouddhas. À la base, on est tous des Bouddhas en devenir, tu vois. Donc, Exactement. et c'est ça qui est important, c'est Ouais. que ça passe pas pour quelque chose d'élitiste, et surtout que ce soit quelque chose, bah, que ce soit adapté à la normalité de la vie d'humain, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Johanna. Et De puis, rien. n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Et puis, je vous souhaite à toutes une belle journée. À très vite et à bientôt.